Yo tout le monde, c'est Monsieur Champion, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va plutôt pas mal. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de glitch sur Call of Duty Black Ops 3. Donc je compte bien sûr sur vous comme d'habitude pour me laisser un max de pouces bleus et un max de commentaires pour ce glitch assez simple mais assez cool. Si vous avez deux comptes, je vais vous expliquer le glitch dans quelques instants. Donc merci à tous, nous sommes presque à 5000 abonnés. Franchement, je tenais vraiment à vous remercier d'être de plus en plus nombreux, que ce soit sur mes vidéos ou même sur mes lives. Franchement, ça me donne la force et le courage de continuer YouTube. C'est vrai que j'avais eu une baisse de motivation de YouTube, mais grâce à vous, grâce au soutien et même grâce aux donateurs, il faut se l'avouer, je retrouve cette motivation et croyez-moi, je ne vais pas lâcher YouTube. Donc, le glitch que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est comment dupliquer vos emblèmes, mais également vos cartes d'agent. Imaginons, vous avez un ami qui a un emblème trop stylé de la chaîne de Monsieur Champion, par exemple, comme moi là, tout de suite là. N'hésitez pas à vous abonner. Le mec qui fait sa pub. Et un emblème. Donc, on va mettre un emblème du multijoueur. Comme ça, vous allez voir que sur mon second compte, ça va fonctionner et que je ne l'ai pas. Donc, on va mettre, tiens, on va mettre expert. On va mettre 100% du zombie, voilà. Hop. Et vous allez voir que je ne l'ai pas dans mon second compte. Donc, tu choisis, du moins, tu as un compte là. Tu as ton compte principal ou tu as une carte d'agent que tu kiffes. Tu as un emblème que tu kiffes. Ou même tu as pris le compte d'un ami ou tu veux dupliquer son emblème ou même sa carte d'agent que tu n'as pas. Tout ce que tu auras à faire quand tu as fait ça, quand tu vois ton bonhomme comme ça, là, l'emblème et carte d'agent, tu fais rond le plus possible jusqu'à ce que tu aies cet écran-là. Petit écran de l'accueil quoi. Donc tu auras juste à faire PS. C'est simple. Tu refais PS mais tu restes appuyé dessus et tu fais alimentation changer d'utilisateur. Et là tu vas sur le compte où tu veux dupliquer les fameux emblèmes et cartes d'agent. Donc moi sur celui-là. Voilà. On va aller sur Call of Duty Black Ops 3. Donc vous faites croix, connexion au service en ligne. Donc franchement, n'hésitez pas à bombarder la barre de like pour ce glitch. Franchement, c'est un truc de malade. Assez cool, assez simple. Donc ne me dites pas dans l'espace commentaire que vous n'y arrivez pas. Donc là, je vais vous montrer mon emblème, ma carte d'agent. Et je vais bien sûr vous montrer que je n'ai pas la carte d'agent que j'ai mise sur mon autre compte. Voilà, zombie, j'ai rien fait du tout. Hop, donc je ne sais pas où elle va être. Non, ça va être dans expert. Voilà. Vous avez vu, je ne l'ai pas. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous faites partie publique. Trouver partie. Bonus, me tube KO. Voilà, c'est pas plus simple. Donc, peu importe si ça te lance dans une partie en cours ou une partie qui vient de se lancer ou quoi que ce soit, ça va rien changer au glitch. Voilà. Tout simplement, voilà, tu fais ce que tu as à faire, tu fais ce que je fais faire et tu vas y arriver tranquille. Voilà, il n'y a pas de prise de tête. N'hésitez pas à regarder plusieurs fois la vidéo si vous n'avez pas compris. Mais franchement, ce glitch est vraiment le plus simple que j'ai pu vous proposer sur ma chaîne YouTube. Donc peut-être que vous verrez cette chaîne sur la chaîne de la Obscure Clan. N'hésitez pas à laisser encore un petit pouce bleu sur la chaîne. Et si vous n'êtes pas abonné sur la chaîne de la Obscure Clan, bah, n'hésitez pas à nous rejoindre et même à me rejoindre ma chaîne YouTube qui sera bien sûr dans la description. Merci les gars. Donc une fois que tu as choisi ta classe et que tu as l'arme dans la main, tu quittes la game le plus rapidement possible. Donc là tu vas avoir un petit temps de chargement tout sympathique. Donc là, tu vas te dire, ouais, mais t'as fait que quitter la game. Je vais faire la flèche droite. Voilà, j'ai dupliqué mon emblème et ma carte d'agent. Et je vais bien sûr vous montrer que je n'ai pas, toujours pas, voilà. Voilà, je n'ai toujours pas. Et pourtant, vous avez vu qu'en haut, je l'ai. Voilà. Donc on arrive à la fin de ce glitch. Je vous espère vraiment que vous l'avez apprécié. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo de glitch. Et je vous dis, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Bye.